c'était à la H Arena quand j'étais toute petite, voir un match du HBC Nantes. C'était avec ma petite sœur à Guérande. On arrivait à un entraînement, il n'y avait que des garçons. On était les deux seules filles, donc c'était assez drôle et on savait rien faire, absolument rien faire, donc c'était comique. C'était toujours à Guérande avec ma petite sœur et on était qu'avec des garçons toujours. C'est avec la sélection 2000, championne de France intercomité, donc gros big up aux filles, c'était une super période. Alors mon premier match pro, c'était le dernier week-end avant le Covid où on a tous été confinés et c'était contre Clermont-Ferrand. Alors je dirais mes plus grosses émotions, c'était quand on a été titré avec Nantes, trois fois championne de France avec les moins de 18, où c'était des matchs incroyables, où on était mené de 7 buts à la mi-temps et on remontait à la fin du match. Alors ma première grosse blessure, c'est mon nez cassé grâce à mon meilleur pote Baptiste Fréville. Alors c'était en 2018 avec la réserve en N1 avec Nordine. C'était aussi en N1 face à Palaiseau en ouverture de la D2. Mauvais souvenir. C'était à Guérande avec ma petite sœur, donc c'est possible que j'ai marqué contre mon camp, on n'était pas très doués à cette époque. Alors c'était face à Clermont, donc j'intercepte une balle, je pars en contre-attaque en dribble, j'ai l'impression que je savais plus dribbler, c'est une catastrophe. Et je fais un vieux tir côté bras, je sais même pas comment il est rentré.